Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Gomwen Elidienne Sylvie, enseignante de législation du travail. Cet enseignement est adressé aux élèves de la classe de première année sciences et technologies du tertiaire. Avant de rentrer dans notre enseignement proprement dit, nous allons procéder à la correction de notre devoir. Nous avons demandé de définir objet du contrat et consentement libre et éclairé. L'objet du contrat, c'est la raison pour laquelle les parties acceptent de s'engager. Donc, c'est ce pourquoi les parties décident de s'engager. Le consentement libre et éclairé ou libre consentement, c'est un consentement sans vice, sans erreur, sans violence ou dol. Donc, là-bas, il n'y a pas de manipulation à faire. Pour que quelqu'un puisse donner son accord, il n'y a pas d'erreur à faire et on ne force pas quelqu'un à donner son accord pour passer un contrat. La deuxième question, donner les conditions de forme dans la formation d'un contrat de travail. Alors, nous avions dit que la forme du contrat était libre. Donc, le contrat de travail peut être écrit ou verbal. Néanmoins, il y a certains contrats qui sont obligatoirement faits par écrit. Troisième question. Identifier trois types de contrats obligatoirement écrits. Nous avons les contrats à durée déterminée qui ont une durée supérieure à 3 mois. Nous avons l'engagement à l'essai ou contrat d'engagement à l'essai. Et nous avons aussi le contrat d'apprentissage. On pourrait encore citer d'autres, comme le contrat pour un étranger ou pour quelqu'un qui quitte sa résidence habituelle pour aller ailleurs travailler. Ce type de contrat doit être obligatoirement fait par écrit. Quatrième question, répondre par vrai ou faux. Première question, l'erreur annule le contrat de travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Évidemment, c'est vrai. L'erreur peut annuler un contrat de travail. Un malade mental peut-il passer un contrat de travail? Eh bien non. Un malade mental ne peut pas passer un contrat de travail parce qu'il n'a pas la capacité pour. Un contrat de travail ne peut pas être verbal. C'est faux. Nous avons dit que la forme du contrat de travail est libre. Donc, il peut être écrit ou verbal, à l'exception de certains contrats qui doivent être obligatoirement écrits. Mais dans le principe, la forme est libre. Un enfant de 14 ans peut travailler sans l'autorisation du parent. Ben non, c'est faux. Un enfant de 14 ans, selon la loi, peut travailler, oui, mais à condition que leurs parents les autorisent, que le parent ou le tuteur donne son autorisation. Petit e, on peut passer un contrat de travail pour vendre la drogue. Eh bien non, on ne peut pas, c'est faux, c'est faux. On ne peut pas passer un contrat de travail pour vendre la drogue parce que c'est contraire à l'ordre public, ce n'est pas légal. Au Cameroun, il est interdit de vendre la drogue. Le contenu du contrat de travail doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Oui, ça c'est vrai. Ça veut dire que le contenu du contrat de travail doit être légal et il doit être moral. Donc, ça doit correspondre. Il faut que ce soit, ça manifeste une bonne moralité. On n'est pas obligé de mentionner son nom et son adresse dans un contrat obligatoirement écrit. C'est faux. Sinon, comment on va savoir qui passe un contrat? On doit écrire, on doit mentionner son adresse dans le contrat de travail obligatoirement écrit. Maintenant que nous avons corrigé notre exercice de consolidation, nous voulons rentrer dans notre leçon proprement dite. Aujourd'hui, nous allons passer à un autre thème, le thème 6, qui parle des risques professionnels. Alors, notre thème est présenté ainsi qu'il suit. Nous avons un thème, les risques professionnels, et dans ce thème, nous allons étudier une seule leçon
qui parle des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et c'est ce qui constitue notre 10e leçon. Le plan de notre leçon se déroulera ainsi qu'il suit. Nous allons donner les objectifs de la leçon, ensuite quelques prérequis, puis nous prendrons une situation problème, nous ferons l'activité d'apprentissage, nous aurons ensemble un exercice d'application et nous allons vous donner un devoir à faire à la maison. Quels sont donc les objectifs de notre leçon qui portent bien sûr sur les maladies professionnelles et les accidents du travail? Nous voulons premièrement définir et identifier les risques professionnels. Ensuite, nous allons donner les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors, pour bien comprendre ce cours, vous devez avoir une bonne connaissance sur la notion de ce que c'est que la législation du travail, de ce que c'est que les droits, de quels sont les droits du travailleur dans l'exécution d'un contrat de travail. Voici notre situation problème. Alors, si vous observez cette image, vous allez voir plusieurs bonhommes qui subissent certains accidents. Vous allez voir, on peut dire, si on veut interpréter, on peut dire que ce sont des travailleurs qui sont dans l'entreprise et pendant qu'ils sont en train d'exécuter leur travail, ils vont se retrouver en train de faire face à des accidents. Celui-ci doit être certainement un électricien. Vous voyez l'éclair qui vient le frapper. Celui-ci était en train de marcher, il portait quelque chose, il va glisser dans une flaque d'eau et évidemment, vous connaissez la suite. Celui-ci descendait une marche d'escalier et il va faire une chute. Pendant qu'il marchait, certainement, les choses étaient mal rangées et un objet lui est tombé dessus. Un autre qui se fait mordre par un chien, peut-être c'est un livreur, il est arrivé chez quelqu'un livré et puis le chien est sorti le mordre. Lui montait sur une échelle pour arranger quelque chose et puis il a chuté. Et quelqu'un qui va se cogner sur un objet non identifié, tomber et probablement se faire mal. Cette autre image aussi est très parlante concernant les maladies professionnelles parce que ce sont des employés, des personnes qui travaillent dans une entreprise sanitaire. Et vous voyez, leur accoutrement n'est pas commun. Vous voyez, ils ont des gants, ils ont des tabliers, ils ont des lunettes de protection et même des chapeaux sur la tête. Et bien sûr, des cache-nez. Il paraît évident qu'ils sont en train d'exercer leur travail tout en se protégeant de quelque chose. Donc, il est possible qu'ils soient en train de manipuler des produits toxiques, soit en train de se protéger contre peut-être des microbes et des virus, etc. Et bien évidemment, lorsque nous avons vu cette image, ça nous permet de nous poser certaines questions. Qu'est-ce qu'un accident de travail? Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle? Et enfin, quelles en sont les conséquences? Nous allons répondre bien évidemment à ces questions tout au long du déroulement de notre leçon. Commençons par définir ce que c'est qu'un risque professionnel. Un risque professionnel, c'est simplement tout danger auquel un travailleur s'expose dans l'exécution de son travail. Donc, pendant qu'il travaille, il y a peut-être un danger qui peut lui arriver. C'est ce qu'on appelle un risque professionnel. Maintenant, nous allons parler des accidents de travail parce que, comme nous l'avons dit, les risques professionnels, bien évidemment, font mention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Vous pouvez voir là comment ce monsieur-là a un accident, il laisse tomber sa mallette, il était en train de marcher. Vous voyez la plaque, attention, peut-être qu'il a glissé, il a fait une chute et on imagine qu'il s'est bien cassé quelque chose. Ça, il est au travail, c'est un accident de travail. Alors, les accidents de travail, c'est quoi? L'accident de travail, ce sont simplement des accidents qui sont survenus aux travailleurs dans plusieurs cas. Premièrement, du fait ou à l'occasion de l'exécution de son travail. Prenons ce monsieur. On voit bien qu'il est à son lieu de service. Il est probablement technicien de surface. Peut-être qu'il est électricien ou menuisier, je ne sais pas moi. Mais on voit bien qu'il est à son lieu de travail et pendant qu'il est monté sur une échelle
pour aller réparer quelque chose, il va faire une chute et il va tomber. Donc, c'est pendant qu'il est en train d'exercer son travail qu'il se retrouve en train de faire une chute et il tombe. Ça, c'est le premier cas qu'on peut citer comme accident de travail. Maintenant, on peut aussi avoir un accident de travail pendant le trajet aller-retour, sans détour, bien sûr. Ça dit que sans faire les raccourcis, sans aller quelque part ailleurs, autre que là où on partait. Donc, pendant le trajet aller et retour, sans détour, entre 1. sa résidence et son lieu de travail, donc sa maison et son lieu de travail, 2. son lieu de travail et le lieu où il a l'habitude d'aller manger, peut-être c'est la cantine dans l'entreprise, peut-être c'est un restaurant. Donc, chaque midi, il y va pour manger. Donc, l'accident de travail peut intervenir ou alors ne peut porter le nom d'accident de travail que si le travailleur a eu entre sa maison et son lieu de travail ou entre son lieu de travail et le lieu où il va généralement manger. Et cela, c'est sans détour. Ce n'est pas qu'il sort de sa maison, il va d'abord en visite à son ami et puis il revient. Et pendant qu'il rend visite à son ami, il a un accident et il dit que c'est un accident de travail. Non, ça doit être de sa maison jusqu'à son lieu de service ou alors de sa maison jusqu'à son lieu de restaurant, que ce soit en aller comme au retour. Donc, il faut aussi noter que le trajet ne doit pas être interrompu. C'est pour ça que je dis, on ne doit pas sortir, aller d'abord rendre visite à ses copines pour nous faire le Congo ça et revenir. Non, non, non. Il ne doit pas faire d'interruption, il ne doit pas être détourné pour des raisons personnelles, non. Ça doit être direct. Autre situation qui peut constituer un accident de travail, l'accident de travail peut aussi avoir lieu pendant les voyages dont les frais sont payés par l'employeur, c'est-à-dire quoi? Pendant les missions de travail. Vous pouvez voir sur cette image ce monsieur qui allait au travail, à mission probablement de travail, et qui est entré en collision avec une autre voiture, un 4x4, un car 4x4. Et donc, dans ce cas, on pourra donc dire que ce monsieur-ci est victime d'un accident de travail parce qu'il était en train d'aller en mission. C'est son employeur qui l'a commissionné et c'est son employeur qui paye les frais de mission. Donc, s'il a un accident sur le chemin, bien sûr, sans détour sur le chemin, alors on pourra dire qu'il a un accident de travail. Et nous avons ici résumé par ce petit schéma ce que c'est qu'un accident de travail. Alors, c'est le travailleur qui quitte de son domicile pour son lieu de travail, que ce soit en aller comme au retour, vous voyez, on peut dire qu'il a un accident de travail, en aller comme au retour, donc soit pendant qu'il part au travail, soit pendant qu'il rentre du travail, s'il a un accident, c'est un accident de travail. Ça peut aussi être pendant qu'il quitte son lieu de travail pour aller au restaurant, là où il a l'habitude de manger, en aller comme au retour. Ça peut aussi être quand il quitte son lieu de travail ou même son domicile pour aller en mission, parce que la mission est payée par son employeur. En aller comme retour, ça constitue aussi un accident de travail. Donc, ce schéma nous donne une bonne compréhension de ce que c'est qu'un accident de travail. Parlons maintenant de quelques causes des accidents du travail. Alors, premièrement, nous avons les causes humaines. Évidemment, nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes, et l'homme peut avoir des faiblesses. Des faiblesses liées à l'âge. Quand on prend l'âge, on peut se fatiguer et ça peut nous pousser à peut-être dormir au volant, peut-être ne pas avoir la force de soulever telle chose, et puis voilà. Donc, ça peut aussi être lié à la fatigue. On a trop travaillé et puis on n'a pas pris le temps de se reposer et un accident peut arriver. Ça peut être lié à la mauvaise vue. Donc, quelqu'un qui devrait porter des lunettes comme moi, mais qui s'en fout. Et quand il est au volant, il ne voit pas bien. Et puis, un accident peut arriver. Ou alors, l'ivresse, quelqu'un qui boit de l'alcool et il se met au volant et conduit. Ça peut l'amener
à avoir un accident. Il y a des causes techniques ou mécaniques. Ici, là, ce sont des causes qui sont issues, par exemple, de la vieillesse des appareils. Donc, pour ceux qui utilisent des appareils dangereux dans l'exécution de leur travail, les vieux appareils peuvent causer des accidents. Donc, le mauvais réglage aussi des machines peut causer des accidents. Ceux qui utilisent, par exemple, la menuiserie, on utilise des appareils assez tranchants. Si c'est vieux, si c'est mal réglé, alors un employé peut se retrouver en train d'avoir un bras coupé et j'en passe. Nous avons aussi des conditions de travail qui peuvent constituer des causes d'accidents du travail. Ça dit quoi? Le mauvais éclairage. On a vu sur une autre photo, situation, problème, ce monsieur qui... peut-être a glissé sur la laque, peut-être sur le sol, peut-être parce qu'il y avait une de l'eau sur le sol et la salle pouvait ne pas être bien éclairée et alors il n'a pas vu cette flaque d'eau et il est tombé dessus. Donc l'encombrement, on a aussi vu sur notre photo, situation problème, comment un objet quitté du haut est tombé sur la tête d'un travailleur, certainement ça veut dire que les locaux n'étaient pas bien rangés, il y avait beaucoup de choses encombrées et mal rangées, puis ça lui est revenu dessus. Et il y a aussi les locaux défectueux. Les locaux défectueux peuvent causer des accidents. On peut avoir des incendies parce que les locaux sont défectueux, ça peut causer même des incendies. Voilà. Donc, nous avons fini avec les accidents de travail. Nous voulons passer maintenant aux maladies professionnelles. Vous pouvez voir sur cette image comment le cœur est touché, le cerveau, les poumons, les reins, le foie, les reins ici, le foie, l'estomac ici, voilà, le foie. Vous voyez comment ces organes peuvent être touchés. Mais oui, on peut être malade à cause du travail que nous faisons. Et ça, c'est ce qu'on appelle des maladies professionnelles. Les maladies professionnelles sont donc les maladies qui résultent de l'activité professionnelle du travail, c'est-à-dire du travailleur. C'est-à-dire que c'est ce que je fais, ce que le travail que j'effectue, par exemple les substances que je touche, peuvent me rendre malade. Vous pouvez voir sur cette image, parce que les maladies professionnelles peuvent toucher tous les secteurs, hein, beaucoup de secteurs. Vous pouvez voir sur cette image, on voit ici, c'est peut-être le pied qui est malade, ici, c'est le genou qui est malade, ici c'est le dos qui est malade, ici c'est le pied, ici là c'est l'épaule, la main, voilà la main qui est malade. Donc à force peut-être de porter des choses un peu lourdes, il peut avoir mal à la main, à force de porter aussi même des choses un peu lourdes, on peut avoir mal au dos, à force de peut-être porter aussi, parce que même les genoux, quand on porte des charges lourdes, ça peut affecter le genou, ou de trop monter les escaliers, peut-être les genoux peuvent subir des conséquences, les pieds, etc. Donc, vous voyez aussi cette dame, elle travaille plutôt sur des machines, donc à force de s'asseoir, de se courber, de se baisser, de taper, on peut se faire mal au dos. Donc, l'activité du travail, l'activité que nous exerçons dans notre travail, peut effectivement nous rendre malades. Et ça s'appelle maladie professionnelle. Maintenant, voyons quelques causes de maladies professionnelles. Nous avons premièrement les causes physiques. Dans les causes physiques, ici, on peut citer l'emploi des lubrifiants qui affectent la peau. Alors, il y a des gens qui travaillent comme, par exemple, les peintres. Quand il fait la peinture, à un certain moment, il a besoin pour laver la peinture de sa main d'utiliser certains lubrifiants un peu dangereux pour la peau. Et ça peut maintenant écorcher et peut-être donner même des maladies comme cancérigènes. On a l'utilisation des rayons X qui peuvent provoquer aussi des cancers. Ceux qui travaillent beaucoup avec des rayons X, les rayons X peuvent provoquer des cancers. On a des causes microbiologiques. On a vu sur notre photo situation problème, ces deux jeunes hommes qui étaient à l'hôpital avec des masques, des habits, voilà, pour se protéger contre ces choses. Donc, ils se protègent contre les affections qui peuvent être dues aux amibes, aux microbes, aux virus qui sont présents sur leur lieu de travail. Vous pouvez voir sur cette photo, ceux-ci, on les a certainement appelés pour aller nettoyer un endroit. Vous voyez comment ils sont habillés. Ça nous rappelle le coronavirus. C'est comme ça que dans les hôpitaux, dans les enterrements, des cas COVID,
Les personnels étaient habillés. Donc, vous voyez, c'est pour se protéger contre tous ces virus, ces amibes, ces microbes-là. Il y a aussi les causes toxiques. On peut être intoxiqué par les gaz carboniques. Là où on travaille, il y a des gaz carboniques. On peut être aussi dans des endroits où c'est clos et on utilise des gaz toxiques, des gaz volatiles. Et ça peut affecter le système nerveux. Donc, ça peut faire quelque chose là dans la tête et puis ça provoque des maladies. Vous voyez ces deux jeunes hommes dont on parlait, ils se préservent ainsi. Ne serait-ce que le masque fait déjà qu'on respire un peu moins ce qui est toxique. Donc, on manipule les substances toxiques pour fabriquer certaines choses et il faut éviter de les respirer, il faut éviter qu'ils ne tombent sur nos yeux ou sur nous-mêmes. Maintenant, parlons des conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles. Quelles sont-elles? Pour le travailleur, parce qu'il y a des conséquences pour le travailleur, des conséquences pour l'employeur. Pour le travailleur, d'abord, il y a l'incapacité. Donc, lorsqu'un travailleur a soit un accident de travail, soit une maladie professionnelle, il peut être incapable de travailler. Donc, l'arrêt peut être pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines et même pour plusieurs mois. Il peut être même dans une incapacité permanente de travailler, c'est-à-dire qu'il a un accident qui fait de telle en sorte qu'il ne puisse plus jamais travailler. Donc là, on parle de l'arrêt total du travail. Il peut avoir une maladie qui l'empêche totalement de travailler. Et la pire conséquence des accidents de travail ou des maladies professionnelles, évidemment, c'est le décès. Donc le travailleur peut mourir au cours d'un accident de travail, il peut mourir en ayant contracté une maladie professionnelle. Donc maintenant, pour l'employeur, quelles sont les conséquences des risques professionnels? Alors, ça va réduire la productivité de l'entreprise parce que si le travailleur ne travaille pas, alors la productivité de l'entreprise va être touchée, ça va être réduite. Il y aura une augmentation des charges sociales parce que l'employeur sera obligé maintenant de payer les frais d'hôpitaux du travailleur qui est soit malade, soit accidenté. Or, s'il meurt, l'employeur sera obligé de payer le transfert de son corps. Peut-être qu'il est mort dans une ville dans laquelle il ne travaillait pas. Alors, l'employeur va payer le déplacement de son corps pour la morgue dans la ville où il réside en principe, par exemple. Et il y aura enfin la perte de la clientèle parce que c'est pas d'employé, pas de client. En résumé, nous avons parlé des risques professionnels qui sont bien évidemment les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et nous avons dit que les accidents du travail, ce sont des accidents qui sont survenus au travailleur à l'occasion soit de l'exécution de son travail, soit pendant les trajets aller-retour de son domicile à son lieu de service, ou encore pendant les voyages de mission pour l'entreprise. Nous avons dit que les accidents de travail ont plusieurs causes. Ça peut être causé par les faiblesses humaines, ça peut être causé par des problèmes techniques, ça peut être causé par des mauvaises conditions de travail. Pour ce qui concerne les maladies professionnelles, nous avons dit que ce sont des maladies qui résultent de l'activité du travailleur. Et elles sont causées aussi par des facteurs, par plusieurs causes. Il y a des facteurs microbiens, des facteurs toxiques et même aussi physiques. Nous avons dit enfin que les conséquences des risques professionnels pour le travailleur sont l'incapacité partielle du travailleur, donc il y a moitié, il peut être pour un certain temps, des mois, des jours, des semaines, incapable de travailler, ou permanente, donc il peut ne plus jamais travailler, et pire, il peut mourir. Donc, quand l'employeur fait face à un accident ou à une maladie professionnelle de son employé, on va constater qu'il aura une réduction de sa productivité, il va perdre des clients et il y aura une augmentation même de ses charges sociales. Nous allons procéder à notre exercice d'application. Définir risques professionnels et accidents du travail. Donner les causes des maladies professionnelles. Déterminer les conséquences des risques professionnels à l'endroit du travailleur. Répondre par vrai ou faux. Manipuler des produits toxiques au travail peut causer une maladie professionnelle, c'est vrai ou c'est faux. De mauvaises conditions de travail ne peuvent pas causer un accident de travail. Et une maladie professionnelle n'a aucun lien avec l'exécution du travail. Un accident de travail peut causer un arrêt total du travail.
Les risques professionnels ne peuvent pas causer le décès du travailleur. Un employeur peut perdre, pardon, sa clientèle en cas de maladie professionnelle d'un travailleur. Nous allons corriger. Les risques professionnels, qu'est-ce que c'est? On a dit que c'est tout danger auquel s'expose un travailleur dans l'exécution de son contrat de travail. Qu'est-ce qu'un accident de travail? C'est un accident qui est survenu au travailleur à l'occasion de l'exécution de son travail ou à l'occasion d'un trajet qu'il mène entre son domicile et son lieu de service ou encore pour une mission de travail. Donnez donc les causes des maladies professionnelles. On a dit qu'il y avait des causes microbiologiques, des causes toxiques et des causes physiques. Déterminez donc les conséquences des risques professionnels à l'endroit du travailleur. Il y a l'incapacité partielle, l'incapacité permanente ou totale et le décès. Répondre par vrai ou faux. Manipuler les produits toxiques au travail peut causer une maladie professionnelle. C'est vrai. De mauvaises conditions de travail ne peuvent pas causer un accident au travail. C'est bien évidemment faux. Ça peut causer. Une maladie professionnelle n'a aucun lien avec l'exécution du contrat de travail. C'est faux. Un accident de travail peut causer un arrêt total du travail, ça c'est vrai, arrêt total ou permanent. Les risques professionnels ne peuvent pas causer le décès du travailleur, c'est faux. On a dit que les conséquences, la conséquence la plus grave peut être le décès du travailleur. Et un employeur peut perdre sa clientèle en cas de maladie professionnelle d'un travailleur, ça c'est vrai. Il peut perdre sa clientèle, il perd sa productivité et il a les charges sociales qui vont augmenter. Nous allons procéder maintenant à l'exercice de consolidation. C'est le devoir que vous aurez à faire à la maison et nous vous encourageons à le faire. Petit 1, définir accident du travail et maladie professionnelle. Petit 2, donner les causes techniques ou mécaniques des accidents du travail. Déterminer les conséquences des risques professionnels vis-à-vis de l'employeur. Le cas pratique, Monsieur Abou, chef cuisinier dans un restaurant, a glissé sur une flaque d'eau dans la cuisine à cause du mauvais éclairage et s'est cassé la cheville. Question. Comment s'appelle ce type d'accident? Deuxième question. Quelles peuvent être les conséquences de cet accident pour Monsieur Abou et aussi pour son employeur? Le frère de M. Abou travaille dans un laboratoire et dans le cadre de son travail, il manipule les substances toxiques dangereuses pour l'homme. Troisième question, quel est le risque encouru par le frère de M. Abou? Et quatrième question, donner la définition de ce risque-là. Dans le cadre de la préparation de notre cours, nous avons utilisé plusieurs documents, en l'occurrence le lexique des termes juridiques, le Code du travail camerounais du 14 août 1992 qui est en vigueur au Cameroun jusqu'à ce jour. Et nous sommes allés sur Internet faire quelques recherches. Nous vous encourageons aussi à y faire un tour et certainement vous en saurez plus. Notre prochaine leçon portera sur la lutte contre les incendies et ce sera notre dernier thème du cours. Merci de votre attention. Oui.